Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui, pardon, pour la présentation finale de mon album avec cette collection de papier qui me vient de la boutique Scrap for Love, pardon. J'étais en train de lire en fait dans le retour Craft au Clock et en fait j'allais dire Craft au Clock, mais non, c'est Scrap for Love. Et donc c'est la marque Craft au Clock. Voilà. Et c'est cette collection qui est très belle, vous allez voir le résultat. Alors, pour cette collection, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Donc déjà, ça c'est les chutes que j'ai. Et j'ai aussi quatre grandes chutes comme ça. En fait, j'avais pris des mesures au démarrage pour utiliser la collection 30-30 et je me suis très vite aperçue que j'aurais pas assez de papier. Donc du coup, ça c'est des découpes de la collection 30-30 qui me restent. Mais ça me servira pour autre chose, c'est pas perdu du tout. Donc du coup, la collection 30-30, je n'ai plus rien à part ça. Donc je n'ai plus rien à part ça. Et bah, là-dedans, il doit y avoir quelques chutes de la collection 30-30 et des chutes des collections 20-20. Ensuite, j'ai utilisé une collection 20-20 entière et une autre où voilà, j'ai pris que quelques feuilles. Vous voyez, il m'en reste pas mal. J'ai pris que quelques feuilles dedans. Je pense qu'avec deux collections 20-20, ça peut être jouable. Peut-être que ça peut être jouable. Parce que moi, je vous dis, vu que je suis partie avec une collection 30-30 et que je me suis un peu trompée, c'est pas tellement évident de vous dire. Après, pour la couverture, les collections 20-20 sont un peu petites, mais vous pouvez tout à fait refaire un double matage. En faisant un double matage, ça irait très bien. Donc voilà ce qui me reste en papier. Et j'avais eu une collection 15-15, mais du coup, je m'en suis pas servie pour cet album. Celle-ci, j'avais fait une carte avec. D'ailleurs, si vous voulez la voir, elle est un peu plus loin dans mes vidéos. Ensuite, j'ai utilisé ces die-cuts. Il en reste quelques-uns que j'ai oublié de découper. J'ai utilisé cette collection de die-cuts. Il faut savoir que j'en ai découpé. En fait, ils sont tous en double. Et j'en ai découpé qu'une planche de chaque. Voilà. Donc, il m'en reste encore pas mal. Et même dans ce que j'ai découpé, il m'en reste encore. Il me reste encore ça, il me reste encore ça. Ça, j'en ai pas mis dans l'album. J'ai juste mis ces deux. Ce qui fait un peu nature et pêche et les personnages. Après, vous avez des voitures. Vous avez thème sport. Vous avez thème jeu. Thème outillage. Thème musique. Et thème un peu anniversaire, fête, voilà. Vous voyez, avec le die cut, vous avez de quoi faire vraiment beaucoup de créations. Après, vous n'êtes pas non plus obligé d'utiliser le papier de base pour utiliser les die cuts, hein. Vous pouvez utiliser d'autres papiers. Hop. Voilà, donc ça, je mets de côté et on va passer à la présentation de ce bébé. Donc, j'ai fait très simple pour la couverture. En fait, je me suis dit qu'ici, on pouvait soit y rajouter une photo ou un titre pour personnaliser en fait l'album. Moi, pour l'instant, je ne sais pas s'il sera à la vente ou s'il sera offert ou voilà, je ne sais pas. Je n'ai pas mis de titre. Mais on peut tout à fait rajouter un titre du genre, si c'est pour l'anniversaire d'un homme, mettre l'âge et le prénom, enfin voilà, des petites choses comme ça. Ensuite, quand on ouvre. Ah, je ne vous ai pas montré la tranche. La tranche, c'est pareil, j'ai laissé très simple. Et le dos aussi. Donc, quand on ouvre,
on a ici, alors je prends mon petit gabarit, on a ici une carte, un livret, et on a possibilité de mettre une photo ici. Alors moi celle-ci je la compte pas parce que j'aime bien que quand j'ouvre mon album on ne voit aucune photo. Donc pour ici je vais compter 1, 2, 3 et 4 photos. Alors j'ai pris ma petite calculatrice qui va m'aider à les compter hop, en même temps que la vidéo. Ensuite pour la première page. Alors attendez, j'enlève ça. Ça s'ouvre comme ça, comme ça. Ici, on y trouve un livret. Ensuite, ça s'ouvre comme ça, comme ça. Ici, on y trouve également un livret. Et au milieu, on a une pochette avec une carte et un livret. Donc, pour cette page, on a la possibilité. Ah oui, c'est pareil, je vous ai pas dit. J'ai fait. Ah, j'ai oublié l'encre et lui. Bon. Je vais essayer avec bah, même celui-là. J'ai oublié d'encre mes tags. J'en ai encré un là. Bon, ben je vais essayer de faire quelque chose. Comme d'habitude, moi je mets pas de photos en aperçu. Ici, j'ai voulu cacher un aimant. On aurait très bien pu faire une déco où on peut glisser en fait dessous une photo. J'en compte pas parce que du coup, moi j'ai pas la possibilité d'en mettre avec la déco que j'ai fait. Mais sinon, on peut. Donc, on peut y mettre une photo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Donc déjà là on a une belle page. Hein. Donc on peut mettre 14 photos. Et vous voyez là c'est pareil, j'ai caché un aimant en fait avec une déco. Ensuite pour la page suivante, elle s'ouvre comme ça. Donc on peut y mettre une photo ici ou ici. On peut y mettre des photos ici à chaque fois. Donc moi je ne vais pas compter ce côté puisque ça se verra au niveau de la fermeture, mais vous pouvez en mettre. Donc on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Et on referme comme ça. Ensuite, sur cette page, donc pareil, vous avez vu, à chaque fois, j'ai fait des petits tags où j'ai mis des die-cuts et des sentiments. Vous voyez, ici, j'en avais mis un aussi. Celui-là, je l'ai fait avec vous en vidéo. Mais, vous voyez, à chaque fois, j'ai mis, des die-cuts et des petits sentiments. Donc, on ouvre comme ça. Alors, sur ce rabat, on n'a pas la possibilité de mettre une photo 10-15. Mais je crois qu'une 9-13, ça passe. Oui, une 9-13, ça passe. Donc, moi, je ne le compte pas parce que, normalement, enfin, quoique si, je peux le compter parce que j'ai prévu des 9-13 aussi à la fin. Donc, on peut en mettre une ici. Donc, ça s'ouvre comme ça. Ça s'ouvre comme ça. Ici, on a un double rabat. Un livret, et vous voyez là j'ai fait une petite déco encore avec un petit sentiment. Ici on a une carte, et en plus de la carte on a possibilité de mettre une photo ici. Alors, vous voyez pas très bien, donc on peut y mettre 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 photos. Donc c'est quand même pas mal. Ensuite, sur la prochaine page, elle s'ouvre ici. Elle s'ouvre comme ça. Et ensuite, on a des accordéons. Donc, sur cette page, on a possibilité de mettre ici. Oui, lui, voilà. Donc, de mettre ici une photo, deux photos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 photos. Donc c'est quand même pas mal. Et on remet notre carte et toujours, alors on peut la mettre dans ce sens et laisser la petite décoration apparente. Donc on a dit 13 photos. Ensuite, la page suivante, elle s'ouvre avec le tag. Donc c'est pareil, petit tag où j'ai fait une petite décoration. Ça s'ouvre comme ça et comme ça. À l'intérieur, pareil, j'ai fait un petit, une petite décoration avec les personnages et les sentiments. Et donc là, on peut mettre une photo ici. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Je compte pas cela parce que ça se voit. Donc je compte que 8. Et là on a du coup notre petit tag qui vient refermer notre page. 8. Ensuite, ici, j'ai fait une petite décoration toujours avec les die cuts. Et des sentiments. Alors la planche de sentiments, je voulais pas montrer, c'était cette planche là que j'avais eu chez Temu. Donc on a ici un accordéon, on a ici une carte. Alors ici j'ai mis un emplacement photo pour cacher en fait mon aimant, pour éviter de mettre un die cut et de perdre une place photo. En fait, du coup, j'ai mis un emplacement pour y mettre une photo. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. Ensuite, ici. Alors, il faut le temps que notre page se fasse, qu'elle prenne forme, c'est encore tout neuf. Donc, ça a un petit peu dur à fermer encore, mais ça se fait. Hop, donc on enlève dessous notre tag. Donc, une fois de plus, un tag décoré. Et donc, alors ici, je ne compte pas d'emplacement photo, puisque voilà, ça sera voyant. Mais ici, on en a un, deux, 3, 4, hop là, faut que je revienne par là. Donc on a dit 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut mettre comme ça et comme ça. Donc 9 photos. Pareil, toujours une petite déco. Là j'ai utilisé des chutes pour faire mon fond. Et donc pour refermer, il faut, voilà, faut tant que ça prenne sa forme, mais ça se referme quand même. Donc on a dit 9. Ensuite, j'ai fait, c'est simple, j'ai fait une cascade qui se ferme ici avec un tag. Et donc sur cette cascade, on peut, c'est là que je vous disais que j'avais utilisé d'autres photos 9-13. Oui, c'est ça. Bon, ici, je compte pas de photos, mais en fait, ici, une photo 10-15, si on la met, eh ben, elle va dépasser.
Et moi, j'aime pas quand ça dépasse. Donc du coup, c'est soit on retaille une photo 10-15 un petit peu pour pas qu'on voit en fait le bas de la photo, ou alors on met une photo 9x13. Et donc il y a possibilité. Par contre, en haut ici, on peut tout à fait mettre des 10-15, hein, sur tous. Sur tous, on peut mettre des 10-15, ça sera caché. Mais sur le devant, c'est soit on retaille la 10-15, soit on met une 9-13. Voilà, et donc on peut en mettre une ici, 2, 3, 4, 5 et 6 photos. Et ensuite, ici, alors on peut en mettre une ici, moi je la compte pas. Donc on peut en mettre 3 et 4. Sachant que vous pouvez en mettre plus. Hein. Moi j'ai mis ça, mais vous pouvez en mettre plus. Donc. Et là, je suis arrivée à 79 photos possibles dans cet album. Sachant qu'il y a des emplacements que je ne compte pas, mais que vous pouvez tout à fait rajouter des photos. Donc c'est déjà un beau bébé, presque 80 photos, 79 photos, c'est déjà pas mal, je pense, pour la taille. Et c'est pareil, j'ai pas compté sur le devant, si jamais vous voulez en mettre une, vous pouvez en mettre une. Oh, je vais rajouter un petit peu de colle ici parce que ça n'a pas collé. Voilà. Donc voilà le bébé qui est enfin terminé. J'avoue que j'ai mis un peu de temps pour celui-ci parce que, bah, comme je vous ai dit, ancrer c'est très long. Voilà. Sur celui-ci, il y a eu beaucoup de préparation avant vidéo. Après, quand je vois le rendu, je suis vraiment pas déçue d'avoir mis autant de temps à le faire. Voilà. J'espère qu'il vous plaira. J'espère qu'il vous donnera des idées surtout. Moi j'aime beaucoup ces petits tags. J'en ai pas mis sur les couvertures, mais voilà, j'en ai mis sur chaque page en fait. Sur chaque page, vous avez des petits tags. Hop. De différentes tailles. Hein. Vous voyez, celui-là est plus court, celui-là il est plus long, celui-là est tout petit. De différentes tailles, mais toujours avec une présentation à peu près pareille, un die cut avec avec un sentiment. Et je trouve le rendu pas mal. Voilà, je vous laisse me dire du coup en commentaire ce que vous en pensez. Moi franchement j'ai adoré le faire. Vraiment magnifique. J'ai adoré. Voilà. C'est j'ai pas l'habitude de scraper des collections de marques. Voilà, je crois que c'est le premier album. Je crois que je fais avec une collection de marques. Et franchement, je me suis amusée. C'est vraiment top. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose pour embellir un album comme celui-là avec ce qu'on a. Voilà, c'est vraiment top. Et une fois de plus, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois, enfin je vous l'ai répété plusieurs fois dans les vidéos tuto. Ce que j'ai aimé avec cette collection, c'est que tous les papiers peuvent se mélanger. Vous voyez, j'ai pas. Là j'ai utilisé plein de papiers différents et ils s'assemblent tous. Ça choque pas du tout. C'est chaque fois j'ai plein de papiers, vous voyez, c'est que du différent. Et ça s'assemble super bien. Alors qu'il y a certains papiers, on ne peut pas forcément les assembler comme on veut avec d'autres. Donc voilà, j'espère... là, ça peut le temps de bien coller. Hop. Je vous ai fait la vidéo présentation aussitôt et je vais m'apercevoir qu'ici, ça n'a pas eu le temps de bien coller. Hop, si j'y arrive, voilà. Donc voilà. J'espère que ce petit album, enfin ce petit album, c'est déjà un album pas mal. J'espère qu'il vous plaira, que ça vous donnera des idées. Et
Voilà, si vous séchez pour un cadeau pour un homme, et ben voilà. Oh pardon, excusez-moi pour le bruit. Voilà le cadeau idéal. Un album avec cette collection. Franchement, j'avais peur de pas trouver l'inspiration. Parce que c'est vrai que c'est pas. J'aime beaucoup les papiers, j'adore les papiers. Mais au début, je me suis demandé comment j'allais les mettre en place, comment j'allais m'en servir. J'avais un peu peur, parce qu'en plus, en embellissement, on a vraiment que les die cuts. Et. Bon, après, certains papiers ont des dessins, tout ça, mais je me suis dit, est-ce que je vais réussir à l'embellir, en fait, ce papier. Et au final, ça va. Je suis pas déçue de moi parce que, voilà, les collections comme les autres collections que j'ai eues avec la boutique Scrap for Love, on a des papiers très chargés, mais avec des motifs, avec des dessins, avec des fées. Voilà, ce papier, bah, voilà, il n'y a pas forcément besoin de die cut pour le décorer. Mais voilà, celui-ci, il n'y a pas de dessin précis. C'est des fonds, en fait. Donc du coup, j'avais un peu peur de comment j'allais le décorer au final. Et au final, ça va. Je suis pas déçue de moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, ça peut pas plaire à tout le monde, hein, mais voilà, moi je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Voilà, voilà, je vais vous laisser ici et je vais essayer d'attaquer d'ici peu un autre album avec une des collections de papier que j'ai reçues aussi par Audrey de la boutique Scrap for Love. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique, il y a des choses très intéressantes. Enfin voilà, il y a des choses très intéressantes et franchement des prix abordables. Moi je sais que j'ai une commande à passer. Bon, à l'heure où je vous montre, où je vous tourne cette vidéo, vous n'aurez pas la vidéo en ligne tout de suite. Mais voilà, je sais que j'ai une commande à passer. Alors je ne sais pas si je l'aurai reçue quand je vous mettrai en ligne ou pas. Mais franchement, allez faire un tour sur sa boutique. Et donc c'est Scrap for Love. Le lien de la boutique est en barre d'informations. Et vous verrez, vous ne serez pas déçus. De cette petite boutique. Voilà, je vous dis du coup à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.